Et yo petit pote, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur Dofus pour l'épisode 5 de l'aventure sur Jash en monocompte les petits potes. Donc c'est parti les petits potes. Donc les petits potes, pour cet épisode 5, il y a eu beaucoup de choses les petits potes. D'abord j'ai dû me faire chier à chercher les Zerac écrasés au bouffe-tout. Bon vous aurez pas de truc, mais vous avez quand je craft la petite seringue pour passer le pont de Pandala. Et ça c'était une merde les petits potes. Pour aller dropper tout ce truc, au final j'en ai droppé deux, j'ai acheté le reste, hein, je vous le cache pas, je les ai achetés tranquillou pilou. Je suis passé le pont et là les petits potes, là j'ai dû voir Pierre, Paul et Jacques les petits potes. À chaque fois j'allais chez l'un, j'allais chez l'autre, je vais chez un mec, je dois tuer des bourrés. Une fois que j'ai tué les bourrés, je dois trouver un chaman les petits potes à qui j'ai dû défoncer la gueule à plein de petites boules de feu, je sais pas exactement. J'ai perdu une fois, la deuxième fois... Ah bah je lui ai déglingué sa petite gueule les petits potins, la deuxième fois c'était Gucci. Bon j'ai pas fait le fier, hein. J'ai pas fait le fier la deuxième fois non plus, c'était quand même assez chaud. Ensuite j'ai continué les quêtes Pandala, hein. J'ai parlé à lui et à l'autre. Ensuite je suis allé voir Lily les petits potes, Lily qui m'a demandé d'avoir le pass pour aller sur l'île des Wabbits. Donc à une petite potion qu'il fallait chez l'apprenti d'Otomaï les petits potes, hein. Mais avant de récupérer toutes les petites ailes de Scarafeuille, j'ai eu la fameuse idée d'aller chercher le petit PNJ qui nous demande lui aussi les petits potes des ailes de Scarafeuille. Donc d'un seul coup d'un seul, comme ça au moins on drop les ailes pour l'apprenti Tomai et pour ce PNJ, le sacrilleur qui est près des Scarafeuille. Et ça fera un petit peu les quêtes, du coup on a déglingué des petits Scarafeuille, on a cherché nos petites ailes et c'était parti pour l'île des Wabbits les petits potes. Donc sur l'île des Wabbits, les petits potes, sur l'île des Wabbits, j'ai dû parler à tout le monde. J'ai parlé aux petits Wabbits, j'ai parlé à Lénald, je sais pas comment. J'ai parlé au vieux sage Lénald, j'ai parlé à tous les Wabbits que j'ai croisés les petits potes. Et ils m'ont donné des quêtes, mais qui a ni queue ni quête, tête. Qui a ni queue ni tête les petits potes. J'ai dû chercher des kawottes pour juste choper leur seringue, je ne sais pas, pour choper des arômes, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont demandé d'aller chercher des putains de kawottes, les petits potes. Du coup, j'ai cherché toutes les kawottes. Je suis allé chercher les petits wabbits écrasés, le petit wabbit qui a faim. Je les ai tous fait. Bon, pas toutes les quêtes, hein, je vous assure, j'ai pas fait toutes les quêtes. Je suis pas allé encore jusque là. Parce que après, une fois que j'ai monté ça, je me suis dit, pourquoi pas, en même temps que je farme les wabbits, pourquoi pas aller chercher des petites viandes chez eux, tout simplement. Bah oui, ça me fera du bénéfice. Du coup, je suis allé aux larves, les petits potes, pour aller farmer masse larves, des petites viandes pour monter niveau 20, il me semble, ou niveau 30, je ne sais plus. Je crois que c'est niveau 20. Je crois que c'est niveau 20, les petits potes, ou 30. Je crois que c'était niveau 30. Non, c'est niveau 30. Je voulais passer niveau 30, du coup, j'ai farmé des larves. Puis j'ai tout revendu, je sais pas si j'ai une mise en vente de prévu, je vais vous dire ça, j'ai une petite mise en vente. Si, non, j'ai pas une mise en vente, je me suis acheté juste des potions, parce que oui, l'île de Wabbit c'est bien, mais avec des potions, c'est mieux les petits potes. Potions de rappel, c'est vraiment le truc le plus important, à aller choper les petits potes quand vous allez farmer. D'ailleurs, les petits potes, ma DD est niveau 100, et si vous voulez l'astuce de comment je l'ai monté niveau 100, et eh ben restez bien jusqu'à la fin les petits potes. Ensuite j'ai fait le donjon. Des tournesols parce que ça rapportait pas mal de viande mine de rien, j'en ai eu presque peut-être 30 dans le donjon juste en le faisant une fois, donc je me suis dit pourquoi pas, vas-y un petit peu le faire. Je l'ai fait, j'ai mis tout en vente et ensuite je me suis acheté les petits potes, attendez bien, je me suis acheté un gelano parce que le crafter c'était deux fois le prix, du coup je me dis autant l'acheter, hein, il était beaucoup moins cher. Je l'ai acheté un PA, je l'ai FM avec mon steamer, je crois que je l'ai FM 165 Vita et le PA, donc plutôt clean, hein, plutôt clean pour un Gelano PA Vita. Et ensuite, c'était parti, les petits potes. C'était parti, là, je suis parti en roue libre. C'était parti pour le Cancreblatt. Le Cancreblatt, j'explose son pote. Je suis allé au donjon des squelettes, j'explose le Ronin. Et solo, avec le chevalier, bien évidemment, les petits potes. Je suis allé voir Tom Pouce qui me dit, vas-y, va voir un autre gars. Lui, je vais le voir. Le maître des clés me dit d'aller voir un autre gars et c'était reparti. Le boustache, le quoi-quoi, et le quoi-quoi, j'en ai chié. Le quoi-quoi, les petits potes, le quoi-quoi, je l'ai fait deux fois. Parce que le quoi-quoi, j'en ai chié sa race. Hein. J'en ai chié, d'ailleurs, je crois que je vous ai mis les deux combats parce que je me suis fait chier dessus par le quoi-quoi, les petits potes. C'est vraiment beaucoup trop dur. C'est vraiment beaucoup trop dur, le quoi-quoi. Et après, tout simplement, je vous ai montré une petite mise en vente de toutes mes ressources. Bien évidemment, je vous laisse
avec ça et des mises en vente. Et j'ai aussi mis des clés en vente que bien évidemment, après que je vous ai montré tout ça, je vous retrouverai bien évidemment de suite hein, bah, sur mon petit compte et on va pouvoir faire... vous allez pouvoir voir surtout tout ce que j'ai vendu sur moi et sur mon Steamer, parce que j'ai fait aussi pas mal de ventes sur le Steamer. Hein, je vous montrerai quelques petits trucs. Si vous voulez copier, bah, n'hésitez pas les tipotes. C'est cadeau, toutes ces petites astuces. Et du coup, bah, on est là les tipotes, on est là, on est là. Et je vais enlever la petite image qui vous cache tout ce que j'ai vendu, les tipotes. Hein. Bah, pas qu'avec les cas, pas qu'avec les cas, je vous rassure, pas qu'avec les cas. Et du coup, c'est parti les petits potes, voilà la mise en vente les petits potes, enfin les trucs, les moumoutes de sapeurs, bien évidemment, je vous avais prévenu que j'allais vous le dire, hein. J'ai farmé les sapeurs à Sakai pour monter tout simplement ma petite DD niveau 100, je vous mets les combats, je ne vais pas tous vous les mettre, mais je vous mets quelques combats de sapeurs, bah, vous les verrez un petit peu partout par là, voilà, parce que je ne vais pas vous non plus tout vous recacher, et du coup, j'ai vendu une cave, un casque du Persicoff sur le Steamer, comme vous pouvez le savoir, je craft, je FM un petit peu, et je mets direct en vente, et c'est parti, je me suis fait, sur 250 000, j'ai à peu près mis 100 000, donc je me suis fait un bénéfice de 150 000 à peu près par casque. Et celui-là, bah, je l'avais crafté pour 100 000, donc je me suis fait 80 000 kama sur les fourbes Alliance. Je n'avais vraiment pas payé cher. Et là, le tipote, j'ai vendu presque tout. J'avais vendu les lots que j'avais mis pendant l'autre vidéo, je les ai tous vendus. Je les ai tous vendus, c'était clair et net, tous vendus. C'est parti comme des petits pains. Pas au donjon crackler, hein. je l'ai revu la vidéo. Hein. Je me suis mis en vente devant le donjon crackler. Mais quel idiot, mais quel idiot. Non, il faut se mettre devant le donjon adéquat, c'est mieux. Même si j'en ai vendu que 3, j'en ai vendu 3 les tipotes, donc ça marche quand même. Bon, c'est le donjon juste à côté, c'est pour ça. Et je les ai vendus 1000 kamas de moins, donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi vendu. Et du coup, au lieu des 12 000, on les a vendus 13 300, vous avez vu. Donc là, j'en ai 3, donc j'ai refait le stock, hein, vous pouvez voir ici, j'ai refait le stock juste ici. Donc 9, j'en ai pris 20, donc j'en ai vendu 11 au total, hein. Donc plutôt bénef. Et j'ai vendu aussi des clés de Scarface, je ne sais pas pourquoi. Je suis à 255 000 kamas les tipotes pour cet épisode. J'ai à peu près 100 000 kamas que je vais pouvoir aller récupérer en banque. Je sais pas. D'ailleurs hier je me suis connecté les tipotes hein, et sur mon Steamer j'avais vendu pour 2,8 millions, un truc de ouf. J'avais vendu presque tout mon stock d'ailleurs avec les événements qui en ce moment sur GH. C'est très très compliqué d'avoir des runes pas très chères du coup pour le FM, c'était un petit peu compliqué. Et du coup attendez, je vais juste vous montrer le petit Jeannot. Le petit Jeannot qui est là, voilà, mais qu'est-ce que je fais? Ah ouais, mais what, qu'est-ce que je fais? Le petit Jeannot qui est là, 165 Vita, 1 PA, et voilà, c'était Gucci les petits potes. Alors, petit épisode, mais qualitatif les petits potes. Donc, si cet épisode-là vous a plu les petits potes, hein, je vous ai dit que c'était une grosse vidéo, non, c'était pas une grosse vidéo, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses durant, durant ce laps de temps, durant cette semaine, j'ai fait pas mal de donjons, j'ai fait pas mal de kamas. Normalement, si j'aurais vraiment fait que des kamas avec les cas, je serais arrivé au million très facilement. Mais j'ai pas que joué sur les cas, je joue un peu sur mon Steamer. J'ai dû monter la DD qui est 100, bien évidemment, je peux vous la montrer aussi. La DD qui est 100, les petits potes. Hein. Les métiers, je crois que j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je suis chasseur niveau 30, donc c'était bien niveau 30 dans la vidéo. Donc parfait, les petits potes. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner les tipotes parce que ça me ferait super plaisir et ça ferait monter mon nombre d'abonnés et j'espère atteindre les 200 assez rapidement pour enfin sortir ma putain de musique, merde. Elle est sur mon PC depuis je sais pas combien de temps, j'ai envie de la sortir, merde, sinon je vais devoir la refaire. Allez, sur ce, moi je vous laisse et attendez, vous pouvez aussi rejoindre mon Twitter si vous voulez et mettre un petit j'aime. Allez, ciao. Bof. Mana, Mr. Wendy, de Devion, Shazu, John Pay, tu perds, tu payes, plus tu parles, moins tu farmes, plus tu parles, moins tu farmes, plus tu parles, moins tu farmes, Grid, yeah, wapa.